Salut tout le monde, alors aujourd'hui on va tout simplement jouer à Clash Royale pour faire un petit pack opening. Après on se fera deux petites attaques et après on ouvrira le coffre à couronne. Allez, c'est parti! Alors les gars, aujourd'hui j'ai la chance et l'honneur de vous montrer un pack opening où on ouvrira à la fin un petit coffre Magic. Et ça, ça fait plaisir. J'aurais préféré le Super Magic, mais malheureusement, ça ne reste qu'une légende. Voilà, voilà. Et donc du coup, j'aimerais commencer tout petit et finir super grand en espérant que ça va fonctionner. Allez, c'est parti les gars. Alors franchement, j'ai le sourire là. Un petit sourire comme ça qui va bien, tu vois. Nickel. Ah ouais, mais vivement qu'on l'ouvre ce coffre là. Ah, c'est le suspense total, mon petit. En plus, j'ai fait en sorte qu'on ait un coffre à couronne en plus pendant le pack opening. Du coup, c'est nickel. Donc du coup, alors 52 or, ça fait plaisir ça. Ça c'est cool. Parce que généralement on gagne 40 et quelques. Tu vois là, c'est 52, donc c'est au-dessus du 50. C'est vraiment pas mal pour un coffre d'argent. Voilà, donc 7 mortiers pour l'instant, ça commence mal, mais c'est pas très grave. Une cabane de gobelins, disons que ça passe. Allez, c'est parti, on continue. Ah, c'est vraiment des petits coffres, hein. C'est pas du coffre à... c'est pas du coffre magique, hein. Donc 46 d'or. Tu vois, c'est ce que je te disais. Tu vois, généralement, c'est vers là, tu vois. Donc quand tu vois 52, tu dis, ah ouais, il donne, quoi. Donc une cabane gobelin, encore une fois. Et 7 mortiers. Mais ça, c'est fort, ça. Ça, c'est fort. 7 mortiers. Une cabane de gobelin. Une cabane de gobelin. 7 mortiers. Non, mais c'est pas la même chose. C'est différent. Non, c'est la même chose. Ouais, on est d'accord, c'est la même chose. Putain, mais... Oh, truc de malade. Enfin bon, 49 d'or, ça c'est cool. Et un gobelin. Eh, hey, mais c'est quoi ce radin? C'est quoi ce radin? Oh! Vas-y, là, file les cartes, là. Putain, tu mets 2-0 derrière, ça me va, moi. Hein. Ne serait-ce que déjà 1-0, c'est déjà pas mal. Bon, un gobelin à lance, allez, ça fait plaisir, mais il aurait pu en donner plus, quand même. Oh, je te jure, allez, ce rapia, quoi. Allez. Et bah voilà, 7 gobelins, ça fait plaisir, tu vois. Mais bon, j'ai plus besoin de gobelins à lance que de gobelins, tu vois. Donc pourquoi tu me files pas les gobelins à lance? Ah non mais, c'est pas logique des fois, hein. Bon, du coup, on va ouvrir le coffre gratuit. Donc jusque là, tu vois, on augmente petit à petit. Ouais, donc petit à petit, on augmente, donc ça fait plaisir. Donc 54 d'or. Tu vois, généralement, on gagne plus comme ça, tu vois. Les coffres gratuits, on gagne plus d'argent, mais moins de cartes. Ce qui est un peu bizarre. Mais enfin bon, donc 6 gobelins à lance, ça fait plaisir, et une pierre tombale. Tu vois, qu'est-ce que je te disais? Au lieu d'avoir 7 gobelins à lance, on en a que 6, et on a une pierre tombale. Tu vois? Tu vois, 7 mortiers tout à l'heure, c'était 7 mortiers, maintenant c'est 6 gobelins à lance, tu vois? Tu vois, le délire de... Enfin bon, qu'est-ce que je peux dire, n'importe quoi. Donc on continue notre petit pack opening, les gars, 57 d'or, ça fait plaisir, et 7 barbares. Bon, j'utilise pas, bon, mais c'est vrai qu'ils sont puissants, tu vois, mais j'utilise pas, donc disons que je passe. Et cabane de gobelins, mais qu'est-ce que t'as aujourd'hui avec les cabanes de gobelins? Hallucinant, il y a des fois comme ça, il me prend un truc pourri et il m'en donne un max. Ah, par contre, quand c'est du cochon, quand c'est des bons trucs, tu vois, ah, il m'en donne un comme ça tous les 10 ans, tu vois. Ah ouais, non mais, ah, quand c'est des trucs bons, hein, bah, j'en ai presque pas, hein. Mais quand c'est des trucs de merde, la cabane de gobelins, mortier, il m'en donne en masse, c'est un truc de fou. Ouais, c'est parti les gars, on continue petit à petit, on va évoluer encore d'un cran avec le coffre à couronne. Et après on ouvrira le coffre magique, ça va être génial. Allez, c'est parti pour le coffre à couronne. 368 d'or, à chaque fois que je vois ce coffre à couronne, je me dis mais t'es sérieux quoi. Putain, ça fait plaisir quoi, 368, c'est quand même plutôt pas mal. Hein. Et dire qu'avant il donnait une centaine. Donc du coup, 3 gemmes. Et petit à petit, hein, chaque pack opening on gagne, allez... entre 5 et 10 gemmes. Du coup, petit à petit, on arrive à aller aux 500. Mais c'est long, quoi. Oh là là, c'est vraiment des radins Supercell. Hallucinant. Bon, et c'est parti, on continue. 3 esprits de feu, les gars. Ça commence petit, donc c'est parfait. Allez, c'est parti, on continue. 11 canons. C'est déjà mieux que le mortier, hein. Mais bon, allez, on continue. 33 barbares. Mais vas-y, mais fais ça pour les archers, quoi. 33 archers, moi, je veux, moi. Archers, arts. Hey, tu connais pas les arts? Hey, putain, je te jure. Hey, c'est un truc de fou, hein.
Oh, allez, oui, 33 bavards si t'as envie, t'as intérêt à me donner un bon truc là. Allez, ça va, ça va. 5 sorciers, ça va. On se plaint pas, voilà. C'est pas mal, 5 sorciers. Il y en a, ils l'ont même pas le sorcier, donc on va pas se plaindre, voilà. Enfin bon. Donc ouais, 5 sorciers, ça fait plaisir. C'est vrai que j'aurais préféré les cochons, mais apparemment à Rennes 6, il en donne pas des cochons. Franchement, j'en ai eu une fois, c'est tout. En je sais pas combien de pack opening, j'en ai eu qu'une seule fois. C'est assez hallucinant. Donc du coup, maintenant, j'ai le petit honneur de vous ouvrir un coffre Magic. Ce qui est plutôt pas mal. Voilà, donc c'est parti, on va commencer doucement. Parce que faut vraiment faire dual suspense, tu vois. Histoire de dire... mais non. Oui, mais non, tu vois. Enfin bon, 500 d'or, franchement, ça fait plaisir. Alors j'aurais préféré le coffre géant par rapport au fait qu'il donne... Dans les 1000 et quelques, je crois, enfin je sais plus combien de sous, il donne beaucoup de sous. Et le truc, c'est que si j'aurais eu justement tous ces sous, ben, j'aurais pu plus facilement améliorer mes flèches. Parce que là, je suis en train d'essayer d'améliorer les flèches. Donc, dans quelques packs opening, dans un ou deux packs opening, on pourra améliorer les flèches. Hein. Je pense dans deux packs opening. Alors, déjà, ça commence petit. Ah ouais, c'est petit pourri, tu vois. C'est genre petit pourri. Tu vois, il y a grand pourri et il y a petit pourri. Là, c'est petit pourri. Bon, tant mieux, au moins c'est pas petit bien, tu vois, parce que petit bien, c'est plus nul, enfin c'est plus nul que grand bien, tu vois, enfin, laisse tomber. Allez, c'est parti, on continue, un extracteur d'élixir, mais tu commences vraiment petit, toi, hein, genre en mode gros radin, quoi, genre, bon, je te donne une carte, mais pas trop non plus, quoi, hein, j'en ai besoin, moi. T'es un espèce d'enfoiré, t'as intérêt à me donner des bonnes épiques, mon petit, parce que sinon, tu me redonnes pas de la sorcière comme la dernière fois, hein. Sinon, je te coupe la tête. Bon, 29 squelettes. Ça, à la limite, ça fait plaisir. Ça fait longtemps que j'avais pas eu de squelette, d'ailleurs. Ça fait très longtemps. Mais je les utilise plus trop en ce moment, depuis qu'ils ont été mis à 3 squelettes au lieu de 4. Ah, j'ai laissé un peu de côté. Mais bon, de toute façon, dans mon deck, là, il servira à rien. Donc, ouais, je peux pas les utiliser. Ça, bah voilà, tu vois, ça fait plaisir. Ça, c'est du grand petit. Non, du grand petit. Du grand bien, et ça fait plaisir. Voilà, ah, c'est des trucs comme ça que je veux, mon gars, des gobelins à lance, des archers, c'est vrai que j'aurais préféré les archers, mais bon, gobelins à lance, archers, molosse de lave, pourquoi pas, si vraiment ça t'excite, allez, vas-y, fais-le, mais voilà, déjà, des archers, c'est déjà bien, tu vois. Allez, c'est parti, on continue, les gars. Non, mais, et t'as quoi avec les putains de cabanes de balblé du gobelin, j'allais dire de barbare, les gobelins, c'est quoi les cabanes de gobelins? Oh, tu me saoules, là, avec tes cabanes, là, tiens, le mec, il s'est cru dans la forêt, tu sais. Allez hop, on construit une cabane les gars, allez c'est parti. Oh, putain, je te jure. Bon, c'est pas grave, on continue. T'as une cabane de gobelins quoi, oh là là. Putain, t'aurais pu me donner du cochon quoi, ou du sorcier, ne serait-ce que du sorcier déjà, tu vois, ça aurait été déjà mieux, tu vois. Ah, ou de l'élixir, enfin le truc d'élixir là, mais bon, ça à la limite, j'utilise pas trop. Bon, on continue quand même, on peut essayer les gars. On peut essayer, on sait jamais. Allez, on clique, allez. Mais putain de bordel de merde! Ah, je suis désolé, mais là, il faut... Oh! Oh! Faut arrêter de se foutre de ma gueule, la cabane de barbare! Mais cabane de barbare! Mais vous imaginez à quel point c'est pourri! Non, mais ça va, mais bon, 7 élixirs le machin, ça t'envoie des barbares, 7, mais attends, 7 élixirs le truc, c'est énorme! Alors, le délire, c'est que j'utilise pas, quoi! Cabane de... Tout ce qui est spawner, j'utilise pas... Tout ce qui est défense, j'utilise pas, tu sais, les bâtiments défensifs. Et là, le gars, il me fout cabane de gobelins et cabane de barbares, quoi. Les deux trucs que j'utilise pas du tout. Mais je sais pas, il a pas autre chose. Il m'en donne presque jamais, et là, il bombarde. Il a pas autre chose à foutre, quoi. Ouh là là, moi, je sens qu'il va me saouler, là. Hein. Bon, t'as intérêt à... Oh, si tu me donnes... Quoi, de la sorcière, ça va, à la limite. Mais bon, donne-moi, je sais pas, moi... Je sais plus, on va voir. Du PK, quoi. Du PK, mais du PK, les gars, du PK. Mais ça pue, putain. Non, mais du PK. Mais les gars, mais... désespérant. Désespérant. Du PK. Mais putain, mais c'est impossible de l'utiliser, le PK. Y'a que les malades mentales qui arrivent à l'utiliser. Du PK, quoi. Donc du coup, moi, je vous dis à tout de suite pour attaquer, malheureusement. Oh là, j'aurais bien voulu avoir... Un meilleur coffre. Mais bon, c'est pas très grave. En tout cas, j'ai eu 500 d'or et ça fait plaisir. Moi, je vous dis à tout de suite pour attaquer. C'est parti.
Allez, c'est parti, on est contre Vigit niveau 8, donc ça fait plaisir, voilà. Donc petit sourire, petite bonne chance, comme d'habitude. Et donc du coup, étant donné qu'on a eu un pack opening, vraiment... Tu m'as compris? Non, tu m'as pas compris? Non, mais tu vois, il était vraiment long, tu vois. Non, c'est pas parce qu'il était pourri, hein, c'est parce qu'il est long, tu vois. J'ai beaucoup parlé, j'ai beaucoup fait de suspense, machin. Donc du coup, c'est un pack opening plutôt long. Et le truc, c'est que je vais essayer du coup de... de finir rapidement un petit peu cette partie. Donc on va faire ce qu'on peut, hein. Ça donne quoi là? Bon, jusque là disons que ça passe. Ça pourrait être mieux, mais disons que ça passe. Ah, il est à niveau 9 et ça les tue pas du premier coup, quoi. Bon, hop, on met ça. On va essayer de tenter. On va mettre la horde. Est-ce qu'il y a des flèches? Ah, il a une horde, tout simplement. C'est tout? Et bah c'est génial. Et bah voilà. Ah, il a ça. Mais bon, je m'en fous parce que... Ah non, elle est morte. Oh, oh merde. Bon, c'est pas très grave, les gars. Allez. On respire. Oui, je respire bizarrement. Mais alors, t'as un problème? Non, mais on va quand même essayer de faire ce truc bien. Donc, on va lancer notre petit molosse de lave. Qu'est-ce que tu vas faire, là? Qu'est-ce que tu vas faire, mon petit? J'attends la réponse. Hein? Je t'entends pas. J'attends pas, je comprends pas bien ce que tu dis. Ah non, je comprends pas. Non, bon, bah, je vais te défoncer, alors. Ouais, c'est parti. Bah, je t'ai pas compris, moi. Je sais pas ce que tu disais, donc je vais te défoncer. Hein, tout simplement. Ouais, c'est parti. Non, bah, alors là, mais, je vous ai dit, il faut speeder, là. Là, il faut speeder. Je vais faire tout ce que je peux pour speeder. Bon, là, je peux pas renvoyer, donc ça sert à rien. J'avoue que les gens qui font ça, quand même, qui renvoient comme ça... C'est... Ah putain, moi ça m'énerve, tu vois. Putain, mais arrête de me défoncer, quoi. Déjà que t'es en train de me défoncer comme c'est pas permis, vas-y que tu continues, quoi. Tu dois être délire, ça, c'est vraiment un truc d'enfoiré, tu vois. Mais bon, c'est vrai que quand t'as l'opportunité, ça donne envie, tu vois. Enfin... tu vois, mais bon, c'est vrai que c'est un peu méchant quand même. Ah ouais, faut se l'avouer. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer ça derrière. Ça devrait le faire. Putain. Oh, carrément pas. Bon, allez. C'est pas grave, les gars. On va envoyer du lourd. C'est moi qui vous le dis. On va envoyer ça là-bas. Hop. Ouais, c'est bon ou pas? Putain, mais c'est génial. Mais c'est génial. Oh là 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 là. Mais je suis en train de le défoncer. Oh là 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 là. Oh, là t'es mort là. Là t'es mort. Mais non. Tu vois, on a eu un pack opening de merde, mais on a eu une attaque de ouf. Et il a quitté, quoi, carrément. Bon, c'est quoi? Super combat. Et bonne chance pour la suite, mon petit. Oh là là, et ça fait plaisir. Bon, et bah du coup, ce que je vais faire, c'est que je vous dirai tout de suite pour une deuxième attaque, et après on ouvrira le coffre à couronne. C'est parti. Allez, c'est parti les gars, on est contre Vex, qui est niveau 9, et c'est parti. On va pas se laisser faire, Mantei, c'est pas parce qu'il est niveau 9 qu'il va nous défoncer. Non. On va le défoncer assez rapidement. Donc, on va tirer notre petit feu à gobelin, tranquillou, et on va tirer notre petit molosse de lave. Ok, donc, on va essayer de faire un petit truc, c'est qui... Tirer des flèches. On va essayer de tirer des flèches. Ouais. Ah, dommage, elle est pas morte. C'est vraiment dommage. Genre, je me suis dit qu'elle va peut-être mourir, tout ça. Ouais, que dalle. Que dalle, que dalle. Oh, là, elle va mourir, de toute façon. Ok, nickel. Ok, c'est bon, ça passe. Un petit peu de dégâts, quand même. Tout petit peu. Ok, nickel. Et ben, on va tirer ça. Hein. Qu'est-ce que je vous dise, moi? J'ai que ça à faire. On va essayer de tirer... Et bah voilà, ça c'est fait. Donc on va rien tirer du tout. Là franchement je vous dis. Ah je vous dis là c'est chaud là. Là il faut se concentrer là. C'est quoi, on va changer de technique. Ouais, parce qu'il m'a saoulé. Oh il m'a énervé là. On va changer de technique avec son petit truc spawner là. On va changer de technique. On va attendre d'être bien comme il faut, voilà. On va faire ça. Boum, nickel. Et là on va envoyer notre petit chauffeur de... Enfin, notre petit molosse de lave. Ok, voilà, donc t'as utilisé une boule de feu pour rien. Moi, ça met grave en avantage. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça. Parce que j'ai rien pour défendre l'aérien. J'ai rien pour défendre l'aérien. C'est pas la première fois que je dis ça. Hein. J'ai rien pour défendre l'aérien. Oui, bon. Qu'est-ce que tu m'en dis, toi? Oh, tu me saoules, tu m'énerves. Bon, c'est pas très grave, on va mettre ça. Hop, on va essayer de la défoncer. Petite sorcière là, voilà, ça fait plaisir. Bon, c'est dur quand même, hein. Franchement c'est dur. C'est compliqué, c'est pas facile. Bon alors,
On va envoyer de la horde des gagouilles. Ouais, donc là, je suis vraiment concentré de ouf, les gars. Putain, gros, arrête de faire ça. Arrête. Mon gars, tu m'as énervé, là. On va essayer de... Oh là, en plus, tu utilises ça, là. C'est magnifique. Magnifique. Regarde-moi ça. On va faire ça et regardez. Regardez ce qu'on va faire. On va essayer quand même de tenter... Encore ? Tu dis, t'as un miroir ou quoi, là ? Donc, on va tenter. On va tenter le petit truc assez délirant. Hop, on va tenter de faire ça. Ok, ok, ok. Ça passe ou pas ? Oh, c'est chaud, là. C'est chaud, là. Ça passe pas, hein. Attends, je te jure, enculé. Enculé. Non, mais franchement, ça passe vraiment pas. On va tenter quand même de mettre du... on va tenter la horde de gargouille. Là, ça va passer, là. Là, c'est sûr, ça passe. Je m'en bats les steaks. C'est sûr, ça passe à 100%. Allez, allez, on envoie. Allez, on envoie là. Là, on envoie là. Allez, 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 on envoie. Ouais, on envoie. Oh ! Oh non, attendez. Mais ouais ! Mais il est trop sympa. Mais super combat, mon gars. Mais bonne chance. Vous savez qu'à tout moment, il aurait pu envoyer une boule de feu pour finir la tour. Et il l'a pas fait. Toi, t'es un bon, mon gars. Je sais pas si t'as pas fait exprès, enfin je sais pas si t'as fait exprès de pas l'envoyer la boule de feu sur la tour, mais si t'as fait exprès, et bah franchement, chapeau. Non franchement, bravo. Tu vois, ça c'est le genre de mec, bon il tire un peu sur la tour, tu vois, histoire de au début, tu vois, il tire sur la tour pour descendre la vie, mais à la fin ils le font pas. Et si c'est vraiment un gars comme ça, bah bravo. Franchement bravo. Alors là, chapeau quoi. Oh, toi c'est des mecs bien ça, ça c'est des gens bien, tu vois, c'est des gens, ils sont là, tu vois, ils ont un minimum de respect pour la personne en face, tu vois, ils vont pas se dire, tiens, j'envoie une boule de feu, c'est trop simple, tu vois. Tu vois, il faut avoir du mérite pour choper la tour, tu vois. C'est pas, tu chopes la tour avec une boule de feu, c'est trop simple. Enfin, je sais pas, quoi, t'aurais un sort qui détruit la tour en une seule fois, tu le mettrais, ce serait trop simple. Donc, tu vois, c'est un peu... tu vois, c'est... Tant que tu envoies quelque chose que tu peux pas contrer, c'est pas du jeu, tu vois. Donc c'est pour ça que moi j'ai envie qu'ils fassent un truc, un sort qui contre les genres de choses là, tu vois. C'est genre tu mets un sort et tout et du coup ta tour devient invincible sur tout ce qui est missile, boule de feu, sort de gel ou tu vois des trucs comme ça, ou même tes troupes, tu vois, ça fait la même chose. Ça rend invincible tes troupes sur telle ou telle chose. Ça dure pas forcément longtemps, genre 2-3 secondes, mais tu vois ça, au moins ça pourrait contrer ça, tu vois. Mais non, ils ont pas envie de le sortir, putain de bordel de merde. Ah c'est hallucinant. Ah ça serait un sort épique, ça serait parfait. Enfin bon, ou rare même, ça serait peut-être mieux, un sort rare, tu vois. Enfin bon, on s'est fait plaisir, on a fait qu'une seule couronne, malheureusement, il m'en fallait 3. Mais c'est pas très grave, moi je vous dis à tout de suite pour le coffre à couronne, c'est parti. Et c'est parti les gars, on va ouvrir un petit coffre à couronne. Alors, après quelques pertes de combat, tu sais, c'est toujours comme ça, hein, je monte, tu vois, genre 1800, 1900, et hop là, 1700. Tu sais pas pourquoi, pourtant je combats les mêmes personnes que d'habitude, je fais la même chose que d'habitude, mais... Tu sais pas pourquoi je perds pour rien. Donc c'est vraiment un bon petit jeu de chance. Hein, ça c'est moi qui te le dis. Mais bon, ça après, vous pensez comme vous voulez. Donc du coup, le coffre à couronne. On va se l'ouvrir. Et en espérant qu'on ait une petite légendaire. La dernière fois, c'est là-dessus que j'en ai eu une. Hein. Ouais, c'était il y a quand même un bon petit moment. Quelques semaines, voire peut-être un petit mois. Ah oui, ah bah ouais. Mosse de lave, ça fait longtemps que je l'ai. Hein. Putain, j'ai cette gorge là. Elle est un peu chiante. Hein. Donc, pile 400, ça fait plaisir. Ça, c'est pas la première fois. C'est la deuxième fois que j'ai pile 400, je crois, si je me rappelle bien. Et ça, franchement, quand tu vois pile 400 ou pile 500, tu vois, ça fait plaisir, tu vois. Donc, 408 de gemmes, c'est plutôt pas mal. Donc, on a gagné 7 gemmes dans ce pack opening, c'est plutôt pas mal. Donc, 9 électrocutions, ça fait plaisir. 9 bombardiers, ça faisait un petit moment et puis ça fait plaisir. Et. 28 gobelins à lance, et voilà, si on veut, on peut améliorer le gobelin à lance niveau 9, donc ça c'est cool, mais moi je vais les archer niveau 10 moi, ah je suis un fou moi. Allez c'est parti, 6 boules de feu, si on veut, on peut améliorer les boules de feu. Bon, disons que je m'attendais à avoir un petit peu de légendaire, tu vois, donc forcément, je suis déçu, mais malgré tout, tu vois, il y a eu quand même du gobelin à lance, on peut améliorer maintenant le gobelin à lance, il y a de la boule de feu, on peut améliorer la boule de feu maintenant si on veut. C'est vrai que ça fait plaisir au fond quand même, c'est plutôt cool. Donc pour l'instant, j'attends pour avoir les flèches. Et puis voilà, donc du coup, moi ce que je vais faire, c'est que je vais essayer sur ce. Je vous dirai une prochaine vidéo. Alors juste comme ça, avant de finir, on s'est fait quand même un bon petit pack opening, non? Hein? Ouais, ça fait plaisir, tu vois. Il n'y a pas forcément eu les cartes qu'on voulait, mais ça restait quand même un bon pack opening. Avec, voilà, quand même des...
un bon coffre magic, donc c'est plutôt pas mal. Enfin bon, je pense que j'ai tout dit. Je vais vous laisser sur ce, je vais vous dire à une prochaine vidéo, je vais vous dire ciao, et puis n'oubliez pas, restez cool.